Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, ce que font les filles quand BIM. Je sais que vous adorez ce genre de vidéos et moi j'adore les écrire, les tourner, les monter, etc. Donc je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait, puisque la dernière date d'il y a plus d'un mois. Donc voilà. Aujourd'hui je m'attaque à un gros sujet, puisque j'ai décidé de vous montrer ce que faisaient les filles quand elles avaient leurs règles. Je suis désolée les filles, mais si des garçons passent par là, je crois qu'on n'aura plus aucun secret pour eux. Évidemment c'est un peu une généralité, moi c'est comme ça que j'agis, mais si ça se trouve il y en a qui sont complètement à l'inverse. Donc voilà, ne vous sentez pas offensé si vous n'êtes pas comme ça quand vous avez vos règles. Hein. Je trouvais que c'était un bon sujet à aborder, parce que c'est vrai que quand on a nos zoules, comme j'aime les appeler, on n'est pas vraiment dans notre état normal. En tout cas c'est comme ça pour moi, c'est comme si un peu un démon s'emparait de mon corps et faisait des choses avec, mais je ne suis plus maître de rien en fait. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste ici et à laisser des pouces vers le haut si vous kiffez ce genre de vidéo. Et moi je vous laisse avec la suite. Oh merde, j'ai une heure de retard. Oh non. Oh non. J'ai mes règles. Yes. J'ai mes règles, j'ai mes règles. J'ai pas de retard. J'ai mes règles, j'ai mes règles. Il me faut ma culotte de règles préférée. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Ah, elle est trop belle. Avec le petit dinosaure. Quoi? Pas de mensonge, on a toute une culotte de règles, ok? Oh non. Oh putain! Putain, mais y'a rien qui marche! Enfin bon bref, voilà quoi. Tu peux me laisser, j'ai une tâche. Mais regarde bien, t'es sûr? Et là sur la chaise, j'ai laissé une tâche là, c'est moi ça, non? Y'a une tâche! Et tout ça juste pour des règles, putain. Oh, mais t'imagines un accouchement? Ah, mais jamais je ferai d'enfant, jamais sur la tête de ma mère. Je t'appelle pour te dire que je crois que je vais mourir. Oui, c'est pas marrant. Je voudrais te léguer ma chaîne YouTube. Oui, je te la donne, oui, quand je serai morte, oui. J'ai été ravie de vous avoir tous dans ma vie. Je m'en fous, de toute façon je suis déjà toute boudinée. Quoi? Non je pars pas, non je reviens. Je vais quelque part. Je vais aux toilettes. Oui, je vais aux toilettes avec mon sac et alors? Possible ça, putain. C'est n'importe quoi, je suis pas chiante. Je demande qu'à être aimée moi. Juste un peu d'amour. T'es obligé de laisser deux sonneries avant de me répondre? Tu te fous de ma gueule? Je m'en bats la race! Tu pouvais pas répondre? Non, il faut que tu laisses deux bip, bip. Tu réponds tout de suite quand je t'appelle, c'est clair? Tu commences vraiment. Tu me saoules! Tu me gonfles! Tu me gonfles! Voilà, et toi aussi, t'es des peuples de merde, tu me gonfles! Punaise, mais c'est une blague! On dirait une femme enceinte là, comme il est gonflé ce ventre! Des gonfles! Oh, c'est pas possible! Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous êtes reconnus ou pas. Et les mecs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi et à partager cette vidéo pour nous soutenir quoi. Parce que voilà, hein, vous avez pas ça. Oh, ça va, je vous taquine. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous!
Ciao.